Je suis très heureux de reprendre mes vidéos sur la Nouvelle-Calédonie. Ce magnifique bout de France situé seulement à 2h30 de l'Australie et au milieu du Pacifique est un endroit extraordinaire que tout le monde devrait visiter au moins une fois dans sa vie. Après avoir passé plus de 2 mois de visite sur la Grande Terre, je me suis envolé sur les îles Loyauté qui sont des îles paradisiaques à l'est de la Nouvelle-Calédonie. J'ai passé précisément 10 jours à Uvea, 7 jours à Lifou et maintenant direction Marae, l'île la plus mystérieuse de toutes les îles en Nouvelle-Calédonie. L'île Marae est l'île la plus secrète des îles Loyauté, la plus authentique et la plus incroyable. Sa population s'appuie encore solidement sur des traditions vivaces et bien sûr kanak. Marae n'a rien à envier à ses voisines sur le plan environnemental. Si tu hésites vraiment à visiter Marae, cette île m'a vraiment bluffé. Par son côté paradisiaque des plages, par son lagon, par ses fonds extraordinaires, par son aquarium naturel que je te recommande fortement et bien sûr ses falaises. Eh bien salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je quitte l'île de Lifou, vous avez pu voir mes vidéos sur l'île de Lifou, c'était vraiment un super bilan, les locaux sont vraiment extraordinaires. Et là aujourd'hui je vais direction l'île de Marae. Aujourd'hui je vais à Marae, donc j'espère que vous m'entendez bien, direction l'île Marae, une des îles Loyauté. Ce sera la dernière île en petite show 2. Je suis arrivé à Marae, en fait on récupère les bagages comme ça, tu te serres au sol, il y a une confiance incroyable. T'as juste à te servir, voilà, donc bienvenue à Marae. Bon, petite frayeur les amis, le sac à dos était resté à l'intérieur du conteneur, du coup c'était un peu chaud. Ah merci hein. Et voilà les amis, je suis arrivé donc à Marae. Et en fait j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait il y a un des followers, Morgan, je te remercie vraiment. Il m'a mis en relation avec quelqu'un d'ici. Et du coup bah ça a été très facile, en fait je vais pouvoir mettre ma tente directement dans le jardin. J'ai une semaine sur l'île de Marae. Et là je vais aller voir l'aquarium naturel, ça fait partie des gros points d'intérêt. Alors je vais prendre vraiment mon temps, une semaine je pense que ça va vraiment le faire. Il y a des grottes, des plages paradisiaques, des endroits bah, très intéressants. Je vais surtout essayer de rencontrer des endroits où il y a de la culture. Bon bah c'est l'heure de la sortie des cours. Ça va, ça travaille dur? Oui. T'as peur? Non, de passer pas, c'est le téléphone. T'as peur de passer à la télé? Pourquoi je devais mettre à la télé? Non, c'est pas la télé, c'est juste pour, c'est pour moi. Voilà, donc je suis arrivé donc à Marae. Et là il y a des enfants qui rentrent du collège. Vous êtes au collège, c'est ça? Oui. Sur YouTube. Voilà, sur YouTube. Ouais, non, sur YouTube, vous allez être connus les amis. Oui, je vais être connu. Vous allez être connus. Et c'est quoi votre prénom? Donc quand vous allez arriver à Marae, vous allez arriver dans la ville de Tallinn, c'est la ville principale, c'est là où vous pouvez faire vos courses, vous pouvez faire vos différents achats. Et là, je vais me diriger donc vers l'aquarium naturel. L'avantage, c'est que l'aquarium naturel, il est situé à seulement 4 km du centre. Donc en stop, ça va être très facile. Faut juste que j'attende une voiture et on va voir ça ensemble. De toute façon c'est toujours très simple, le stop ici il y a juste à lever le bras et globalement vous avez une chance sur deux que ça passe quoi. Ah, voilà, bah je vous retrouve directement dans la voiture. Et voilà, je suis arrivé à l'aquarium naturel. Alors là je viens de voir un aperçu, c'est juste une tuerie. Je commence à marrer très très fort, c'est juste à 3 km de Tallinn, donc vous pouvez le faire à pied. J'essaie d'aller par derrière, on m'a conseillé, c'est une meilleure vue, même par rapport au soleil. Et ben franchement, je viens d'arriver à peine à Marae et je commence super fort. Cet aquarium là, c'est du lourd. C'est juste du très lourd. Je prends une grosse claque tellement c'est paradisiaque, tellement c'est naturel, tellement c'est préservé. Enfin, c'est impressionnant comment ça. Comment c'est beau quoi. Alors vous pouvez faire le tour, donc en fonction du soleil ça vous permet d'avoir des meilleures vidéos, des meilleures photos, tout simplement d'observer bah, l'aquarium de sans avoir l'image cramée quoi. C'est un truc de fou. Et voilà, la première visite se termine, vous avez pu voir l'arrivée en Betico 2, donc c'est le nom du bateau qui existe entre les îles et pour aller aussi à Nouméa et à l'île des Pins. Donc ça c'est à vous de vous renseigner par rapport aux horaires. Rendez-vous sur le site internet.
Vraiment une première journée, une petite journée, voilà, sympa, visite de l'aquarium naturel. Franchement, je vais y retourner demain. Je pense que vous verrez des images par drone. Là, j'ai plus de batterie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. J'espère que cette vidéo en Calédonie pour cette saison 5 vous plaît. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos. J'espère que le contenu est à la hauteur. Salut les amis.